pardon, départ silencieux de l'épisode. Je savourais une belle et douce gorgée de café au lait en ce début d'après-midi. Épisode 22. Épisode 22 qui, à mon avis, va faire l'objet d'une visite d'une grotte. Parce que je suis bien motivé, surtout depuis que j'ai le katana. Je me sens surpuissant. Des bâtons, j'en ai quelques-uns. Je ferai volontiers un nouveau feu. Je sais pas, est-ce que je me fais un feu là? Ça me semble pas idiot. Oui, un feu à foyer, c'est sympa. Ah non, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, hop. Ouais, j'ai rien d'autre à bouffer pour le moment, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Ouais. J'ai des pièges à remettre en place. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi l'objet en lévitation? La joie de bousiller leur sépulture. Ah, je sais pas, non, on peut même pas appeler ça des sépultures, c'est des totems, c'est tout. Ah non, celui-là n'est plus en place. C'est beau. Ah, je me lasse pas du rayon de soleil, surtout le matin. Magnifique à l'aurore. Attends, je me lave un peu. Là, je suis tout plop. Ouais, sinon tous les autres pièges sont actifs. Me faire une armure en os si je ne dis pas d'annerie. Oui, ça m'a rempli qu'à moitié l'estomac, mon histoire de lézard. Ça va pas, faut que je bouffe davantage. Bah, la cage a fait son œuvre. Je vais me faire du lapin. Faire du lapinou. Du lapinou. Et piéger le lapinou. Il court partout. Et Bloom? Ah non. Je pensais qu'il est dans le piège, mais non. Je pensais qu'il irait dans le piège, mais pas du tout. Il est dans le coup. Alors, un lapinou à cuire. Oui, c'est vrai qu'il me reste de la bouffe. J'avais zappé. C'est vrai.
Ouais, mais c'est de la viande totalement avariée là que j'ai. C'est même pas la peine. Bon bah voilà, là j'ai bite plein avec un lapin. J'ai bouffé. Ah, voilà la compagnie. Oulala, oulala, oulala. Qu'ils sont mauvais. D'accord. Ok. Ces sauvageons. Oh, je vais me faire une joie de les observer, va. Autant que je m'en amuse. C'est devenu si ennuyeux tout d'un coup. Oh là là, il y a des pièges. J'ai le corps d'un abruti allongé de tout son long. Là apparemment ils sont passés tellement vite qu'il n'y a pas de... pas de corps. Non, pas de sauvage qui débarque. Ah, il faudrait que je remette la main sur la dynamite. Ah, là, 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 là. Ah oui, merde. Ah bah tiens, je peux peut-être déposer les... à travers le mur. Ah bah ils sont là-bas, c'est nunuche. Je passe par là.
Pardon, il y a des mâles qui giclent, ça fait trop bizarre. Ah. J'ai pu gêner quoi. Ah non, c'était bien que j'en prenne, j'en avais plus. Ah, c'est bien ça. Loupé. Sabre japonais est une arme redoutable, mais la portée est pas infinie. Ce qui va pas repérer. Merde. Oui, c'est pas cool ça. Oh là, il y en a des trucs dans les chiottes. Ah oui, il y avait d'autres dessins en fait. Oh, il triche. Il y a plusieurs fois le même dessin. Alors. Chaque fois, il y a une mallette Louis Vuitton là qui est pas ouverte. C'est flippant. Mais je manque autant de bâtons que ça? Non. Toujours bon d'en avoir un bonus, mais... C'est un arbre géant. C'est un arbre géant. Un gigante. C'est une souche d'arbre. Cette ambiance, cette atmosphère, c'est magique. Magique. Il y a plein de mal. Et des valises partout. Avec le soleil à travers les arbres. C'est beau. Cette clairière ne mène à rien. Ah si, il y a des tanks là-bas. Oui, bah c'est là où il y a les flèches.
Ok, je vois la plage avec moi. Mon chariot à rondins. Ah bah ça y est, je sais où est le... Où est ma péniche? Putain, j'ai pas retrouvé le grand village des autochtones. Merde, j'ai monté sur un rocher sans vouloir. Et par moment, il y a des trucs rocheux. On se demande si c'est pas une entrée de grotte. C'est trop bizarre. Ah non, là, c'est pas assez prononcé, mais... Ah bah si, là, c'en est une. Mais à la verticale, en fait. Ouais, bah je vais l'explorer. On va voir ce que ça donne. J'avais même pas fait gaffe. Ah oui, j'en ai peut-être plus un. Ah oui. Une de myrtille récupérée. C'est bien. Merde, y'en a pas un autre. Là pour le coup, je les mangerai volontiers. Ah bah si, voilà. Attends. Ah oui, des cocktails santé, j'en ai plus beaucoup. Attends, je vais ramasser du souci avant d'aller dans les sous-sols. Ah, quand l'inventaire est chargé, il faut vraiment cliquer là où il faut. Il manque du souci et là, l'aloe vera. Non, j'en ai déjà 5. Ah oui, j'en ai déjà 5, pardon. Oui, alors attends, je vais cuire du souci. J'ai cru que j'allais me faire un écureuil. Voilà, ça y est, j'en ai plus d'axe. Voilà, les autres du végétaux, je vois plus tard. Putain, pour le coup, je suis peine à croire qu'ils sortent pas quand il y a la flotte. C'est magique, cette atmosphère. Je ne m'en lasse pas. Bon, moi j'ai pas retrouvé les bâtons de dynamite, tant pis. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Oui, j'ai plus de fusée éclairante non plus.
Oh là là. Oh, ça me donne du courage. Allez, c'est parti. Ah, génial. Et des bras, génial. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère juste qu'il n'y a personne. Ah si, il y a du monde. Merde. Oh, vous faites chier. C'est quoi ça? Un tissu. Vache. Il s'est fait défoncer. Je sais pas qui c'est, mais. Il est méconnaissable. Par ici. Ouais, il y a quand même une espèce de table. Ah, attends. Est-ce que je peux faire une lampe? Ouais. Bordel, elle est là bien. Qu'est-ce que c'est que cette balle? Ah, parce qu'il faut encore... Quoi, nouvelle entrée dans la liste? C'est quoi la nouvelle entrée? Très... Explorer la grotte submergée, c'est ça? Sérieux? Ah, mais je suis sorti! Bah, je suis où? Ah bah merde alors! Je pensais que j'allais faire une succession de grottes moi. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est une mini grotte alors. Je retourne dans la droite. J'étais bien.
la seule fois où on m'entendra dire que j'étais bien dans une boîte. Surtout dans le jeu. Ah oui, en gros, je disais qu'il y avait des corps. C'était par là-bas. Ouais. Ah, mais attends, c'est des passagers, je peux les identifier. 7B. Ah non, le contrôle. Ah, lui, il est. C'est plus qu'une demi-portion. Alors, on a qui là? Jouer. Oh là là. Cinéma. C'est bizarre les boulis. Tu pourrais croire que tu peux faire péter à la dynamite. Ah, une laque. Oh, j'en avais déjà une. Ah, le laisse-moi, j'en avais déjà une. Snacky. Oui, bah, Snacky. Snacky, Snacky, Snacky. Bon, bah la surprise m'attend derrière le mur de planche avec les crucifix. Il tire vraiment de cette gueule. Hein. C'est quoi qui a giclé? Voilà, il y a des bugs de collision. Il y a des bugs de collision. À moi tout le pognon. Oui, c'est un ordi ça. Ouais, j'en avais déjà. Aïe. Zabazi bazou. Zibizi bouza. Ah, la pauvre madame. Elle s'est faite trancher. Ah, un dessin. Ah oui, le cratère. Trop bien le dessin. Y'a quoi derrière? Oh, on dirait qu'il n'y a rien de particulier. C'est quoi que j'ai entendu? Il y a eu comme un éboulis. Je trompe. Oh, il y a quelqu'un. Merde, les piles deviennent faibles. Voilà.
mais c'est une blague, y'a rien derrière. Un démontage possible, mais... Y'a rien du tout. Ah si, y'a une chute de grotte. Bon, musique, moi je m'emmerde. Oh, un casque de Spéolo. Ah merde du monde. Attends, je vais bien mettre une fusée éclairante. Oh, que je puisse voir comment vous patater la gueule correctement. Voilà. Allez, venez mes petits. Ah, yeah, number one qui se fait démentir la gueule. C'est magnifique. Oh, oh, oh. Il démonte un peu trop la gueule, là. Je dis non. Mais pourquoi ma fusée a pas fait effet comme il fallait, là? On dirait qu'elle est tombée là où il fallait pas. Voilà pourquoi. Merci. Il y a encore un trou. Ok. Il est où ce trou? Oh, il commence à me gaver. Commence à me les briser. Oh merde. On me dit je suis dans le rouge. Merci. Ah bah ils m'ont bien fait chier. Punaise. Ah. Oh, pénible. Bon, j'en étais où? Alors, avec ce bordel, y a pas quelqu'un qui a essayé de faire un feu? Moi que le casque de Spéolo fonctionne. Non, le casque de Spéolo fonctionne pas. Je le veux. Je suis deg. Ouais, ça se brise, hein. Les stalactites comme ça. Ça se brise. On est d'accord, le cake de spéologue, je peux pas le mettre. Oh, fais chier. Fais chier. Bonjour. Bonjour. C'est ça la lame japonaise. Merde! Quel con, je suis tombé dans le trou. D'accord, c'est la suite du bordel en fait. Ouais, mais j'ai plus de... fusée éclairante. Là, clairement, je sais pas où je vais. Mais on voit
pas où je vais. Ça m'apporte, mais ça défoule. C'est moi quand j'avais dégagé un. Oh, c'est une tenue complète de plongée. Mais c'est ça qu'il me faut. Mort de faim. Ah non, sa position pas naturelle. Alors, liste mise à jour. Ouais. Ah, le plaisir de patater des stalactites, dis donc. Ça y est, je suis la tute mouche plongée, nager plus loin sous l'eau. Ah, trop bien. Oh, trop bien. Mais du coup, je sais même pas si j'ai bien exploré la grotte. Ah. Oh. Un crucifix. Yeah. Je trouve que j'explore mal les grottes. À mon avis, je dois passer à côté d'objets ou de trucs pas sûrs. C'est moi, je suis un professionnel. Oh, ça défend. Oh, ce jeu de qui. Oh, bordel. Franchement, je me demande si j'ai pas loupé un truc. Dégueulasse de ne pas pouvoir utiliser le casque de spéologue. Avec une bonne batterie, je serai tranquille. Je sais plus où j'y suis allé.
non, je vais pas faire toute là. Ah bah voilà. Ah, des pieds récupérés, de la bouffe, je suis trop bien. Ah, quand je disais que j'explorais trop mal les grottes. Regardez-moi ça. Surprise! Quoi? Ce sont les cœurs des victimes, momifiés. C'est d'un mauvais goût. Alors. Ah oui, j'ai pas trouvé de nouvelles cassettes, moi. C'est d'un ennui mortel, ma quête. Avec joie, ça ne pose aucun problème. Merde, la pile devient faiblarde. C'est pas comme si j'avais trouvé de nouvelles piles. Oh, trop bien. Si je descends dans les profondeurs de la flotte, je vais me taper un boss, c'est obligé là. Parce que je progresse trop vite, c'est pas possible. Je progresse trop vite. Merde, c'est pas le bon truc, ça c'est là où il y a les cœurs. C'est quoi qui est attaché? Ah, c'est la chauve-souris! Je croyais que c'était un ornement, moi. D'accord. J'ai découvert la chauve-souris. La sérotine brune. Ah ouais. Ce sont des sérotines brunes, bien. Oh, je suis bon. C'est quoi ça? Ah, c'est les vilains. Ah oui, ça peut aider. Je vais aller dans les fins fonds des enfers. Allez, on va faire de la plongée. Je sais pas si je peux m'en équiper de manière automatique. Mais... Faudra que je regarde ça dans l'inventaire. Alors, nager plus loin. Ah bah oui, je vais porter le bordel. Apparemment, j'ai le tuba dans le... Ouais, ah bah je vais y aller comme ça. Ça, j'ai un max d'oxygène. Eh oui, avec le commandant Jean-Yves Cousteau, nous explorons actuellement une grotte immergée qui pourrait cacher en son sein une
une grotte magnifique. Ouah ! Oh, c'est beau, j'adore. Ouah, je déteste ça. Mais c'est abject, c'est des rejetons de... Ouah, cool, t'as des matos. Un pied presque normal, mais avec une patte de... Ça fait une main griffe, c'est trop bizarre. Ah. C'est un rejeton mal formé. Oui, bah attends, je vais en boire une, c'est offert par la maison. Oh, des fers chocolatés. Trop bien. Il faudrait que j'aille par là-bas, c'est ça? Allez, c'est parti. Donc, je disais, c'est en compagnie de Jean-Yves Cousteau que nous partons à la découverte. Ah, c'est des membres, quelle horreur. Bah, eh oh! Fais pas noir tout de suite! Oh putain! Là, ouais, c'est pas dangereux, non, non, c'est une porte. Ah, bah, ça coupe complètement le bordel. Hop, tu reprends les pierres, le cadeau. Là. Oula! Oulala! D'accord. C'est passé quoi? C'est bizarre, c'est comme s'ils avaient été victimes d'une mort violente, une explosion, un souffle, un coup de grisou. Attends, j'ai inspecté les tentes. Avec un peu de chance, il va y avoir un feu. Ouais, il y a un feu. Déjà, j'y verrai plus clair. Bah, je vais te découvrir ton découverte. Bah, du coup, je regrette pas d'être descendu. Non, ça, j'ai. Je veux bien revoir la lumière, merci. Ouais, dans des cordes, j'avais déjà. Ah, 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 qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une photo de la chose immonde. Ouais, c'est plus qu'une photo, c'est l'air d'être un excellent dessin. Ah, une hache rouillée. J'ai trop de fusées éclairantes. Bah putain, si un jour je pouvais espérer pouvoir dire ça. Ouais, il y a quelque chose qui a été dessiné. Hop là, non, c'est... Hop. Cool, j'ai une hache de meilleure qualité. Ouh, elle bloque super bien par contre. C'est la hache du blocage.
Alors... Ah, des munitions. Y'a rien là-dedans. Sert strictement à rien, bordel. Ils ont dessiné une arme ou quoi? C'est bizarre, c'est comme s'ils avaient été frappés par un... Mais on dirait qu'il a été ébloui ou qu'il sèche ses larmes, c'est trop bizarre. Comme s'il y avait eu une explosion, je sais pas quoi. Bah c'est là d'où je viens, c'est la bonne porte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Explorer la grotte submergée, ça j'ai réussi. Pas trop moyen de rester sous le plus longtemps, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Trouver un chemin jusqu'au fond du puits. Trouver les passagers de l'avion disparu. Putain, ça fait du mal. Bon bah, je sais pas, il y a quelque chose encore au fond. Ah, faut peut-être remonter. Des bouquins. Alors, je sais pas si je suis passé d'une grotte à l'autre ou si j'ai fait du surplace. Apparemment, je suis passé dans une autre grotte. Parce que j'avais pas la corde. La question c'est, est-ce que je suis seul? Apparemment oui. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, allez, c'est parti pour l'exploration. Ah, je peux faire un feu. C'est pas pour me déplaire. Ouais, je veux bien vous faire un autre cas. Alors, c'est quoi le truc? Rien du tout. Il y a la hutte. Ah oui, il y a une croix. Putain, mais c'est sans fin. Où est-ce que ça mène tout ça? Wow, qu'est-ce que c'est que ce voyage apocalyptique? D'avoir une issue. Oui, il y a une issue. Oh là, vas-y pour t'y glisser, toi. On dirait qu'il y a beaucoup de lumière. Ah, mais je suis revenu à la surface. Wouah!
Ok. D'accord. C'est juste énorme ce que je vais me faire. Attends, je vais me déséquiper parce que ça me... Ouais. Oui, c'est bien, je suis déséquipé, on est d'accord. Oui. Bah, je vais mettre ma combi chaude, je serai bien. J'ai plus besoin de lampe. Je vais me contenter du briquet, c'est amusant. Bon, bah, après ça, je vais rentrer à ma base. Après m'être fait une petite biche. Oh, au katana. La biche au katana. Oui. Oui. Choi, choi. Quoi ? Elle est encore vivante, après autant de coups ? Mais c'est quoi cette biche ? Ah merde, je me disais, t'es immortelle elle. Là la biche toi. Du coup je suis même dans le doute, je sais même pas si j'ai complètement bien exploré la grotte. Hein. Il y a peut-être un passage que j'ai pas fait. Merde, je sais pas si j'ai mangé un bon champignon ou pas. Je suis dans le doute. Oui, c'est la carène de l'appareil. Je vais arrêter d'être en mode à Beavers et to you. Ah, mais c'est le matin qui s'est levé. Ah, bah je peux aller à la péniche. Non, je vais pas aller au camp, je vais aller à la péniche. Et oh, oh. Merde, je suis dans la flotte, quel con. Au moins, je suis lavé. Bah attends, je vais me prendre un casse-cou de con complet dans l'avion. Et je vais sauvegarder au yacht. Comme ça, ça va faire déjà une heure d'enregistrement. Je vais aller au yacht. Oh la vache, et quelle aventure eh. Et ben je l'ai eu. Ah, impossible. Ah mais il finit par faire nuit, merde. Bah, je croyais que c'était l'aurore, pas le crépuscule. Ah, j'y comprends plus rien. Bon bah finalement je vais remettre du rock pour me motiver à courir et je vais garder la lampe. Putain dans les bois ça va être bien flippant. Par là-bas. La forêt des nuits est presque plus flippante que les grottes. Oh, je me suis fait très mal. Ah merde, je suis tombé d'une falaise. Ça peut se comprendre. Attends, je vais prendre un médoc. Où il y a les... Ah bah d'accord. Attends, c'est pas la grotte où on est revenu captif. J'arrive pas à voir. Oh merde, non, je suis dans la flotte. Non, c'est pas la bonne grotte. Génial, il m'a
désespéré, je suis dans la merde. Ah, ok. C'est quoi ça? Il y a un truc bizarre en face. Ah bah c'est le yacht. Putain, je l'ai même pas vu de nuit. D'accord. Oui, bah je mangeais un morceau de voir un coup, comme on propose du soda à fond les anglais. Je veux pas dire non. Mais bien d'accord, le pass que j'ai est pas le tout. Eh ben oui, alors la sauvegarde elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Je l'avais laissé où mon... Ah oui, j'avais laissé là-bas ma péniche. J'ai pas l'air idiot avec le pass en main. Le truc qui reste, qui sert strictement à rien. Voilà, donc j'ai bu un coup. Je vais faire cuire mes aliments. Voilà. Je suis pas en manque d'énergie. Attends, dans mon inventaire. Oui, bah je vais refaire rapidement des. Ouais, c'est l'aloe vera qu'il faudrait que je trouve dans ma. Dans ma collection de. De végétaux. Oh, ça fait chier, j'ai toujours pas de bâton de dynamite. Ah bah voilà, j'ai mis de plein avec ça, je suis tranquille. Oh là 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 là. D'ailleurs, comment on fait qu'est-ce qu'on fait avec les circuits imprimés? Oui, bah oui, explosif, des pièces, de l'alcool, une montre. Ah, mais en fait, j'ai plus besoin de bâton. Attends. Montre, alcool, des pièces et un chiffon, c'est ça? Non, du ruban. D'accord. Ah bah ça va me suffire pour faire péter les trucs. Non, pas les pièces de... Ouais. Et... Ah, une montre, c'est vrai. Il faut un minuteur. Non. Voilà. Voilà. Ah ouais, j'ai 4 bombes. Ah mais c'est parfait ça. Ce qui fait que je vais pouvoir... attends, ça va me faire de la viande pour plus tard.
Mais je m'en fous de la tête de la tortue, la pauvre. Ah oui, non, j'avais déjà... Ok. Donc je vais retourner dans ma péniche de fortune. Qui est là-bas ou hein. Quelle aventure! Ouais, allez, grand bonheur, hasard, il n'y a pas une mallette valise que j'ai oublié d'ouvrir. Non, apparemment, je les ai toutes inaugurées. Alors, c'est reparti pour la... Merde, non, c'est pas par là. Reparti pour la navigation. On va voir si je peux faire le tour de l'île. L'océan, il y a des poissons dedans. Ah, mais il y a plein de valises. Elles sont toutes immergées. Attends, pause. Il n'y a pas de requin ici. Je peux y aller sans risque. Ah ouais, mais pour les remonter à la surface, vas-y toi. C'est une mission impossible. Oh la vache. Impossible de prendre plus dans le cas. Bah attends, je vais en manger un. Ce gâchis de marchandises. Oh, je pourrais même sabrer des poissons. Putain, mais c'est trop fort. Mais comment je fais pour ramener une... Je peux pas. Non, je peux pas. Bon bah tant pis. On dirait qu'il y a des trucs sous l'eau, mais c'est trop étrange. Ah, c'est l'ombre portée de ma péniche. Bon, allez, on continue. Retourner dans le navire avec une tente, on peut sauvegarder.
Attention, j'ai peur de raccrocher le fond. Je sais plus, je l'ai faite la vidéo là. Oh non, y'a rien. Y'a rien. Il y a une monstruosité qui est au fond de l'eau. Ah bah elle est bonne celle-là. Il y a un mec qui a voulu courir vers l'eau. Il est con. Il s'est noyé cet abruti. Ah bah elle est bonne celle-là. Merde, je suis tombé à la flotte. C'est pas ce que je voulais faire. C'est qu'à le dire, la situation est renversante. Bref, on continue. Il y a des trucs en fond de la mer, c'est trop bizarre. Ah, les mystères des fonds marins. Oh la vache, il y a un container Sahara qui est au fin fond de l'eau. Je me demande si je peux... J'avais pas repéré le container de navire. Je me demande s'il y a un truc. Vas-y voir. En espérant qu'il n'y ait pas de requin. Dis-moi qu'il n'y a pas de requin. Dedans, apparemment. Tout ce que je vais gagner, c'est la possibilité de me noyer. Oh vache. Ouais. La flotte est magnifique. Hein. Non, bah le conteneur est vide. À croire qu'il a été volontairement bazardé au fond de l'eau. Bizarre. C'était où elle était là, l'île où il y avait un truc à faire sauter. Ou c'était celle-là, je ne sais plus. Ah bah, en parlant de requin, on l'a. Hein. C'était ici, non, je sais plus. Ouais, non, ça va, faut rester dans les eaux pas trop profondes. Où était le truc à faire sauter? Ah, c'était ici. Alors, équiper. Oula, faut que je m'éloigne. Ah bah voilà. Ouah. Je plouffe. Oh, ma péniche a failli prendre cher. Alors, y'a quoi dans la pochette surprise? Attends, c'est où que ça a explosé? Ah, c'est là-bas. Alors, qu'avons-nous là? Des munitions. Ah. J'ai récupéré 6 pièces sur 8? Sérieux? 2 sur 8. Attends, je peux l'assembler? Je peux peut-être commencer à l'assembler, non?
Tac, tac, tac. Ouais, bah j'ai quoi? J'ai la moitié apparemment. J'ai la moitié des pièces. Ouais, c'est cool. Bon, bah je vais continuer l'exploration de l'île. Où est le soleil? Oh, ça va, il est encore au zénith. J'ai encore du temps. Allez, ouf. Je me disais, où est le requin? On a le bel requin. Oh, vilain. Allez, allons vers la montagne. Oh la vache! Il y a plein de requins qui sont morts. De la baie. Oh, le carnage. Ah mais le conteneur là par contre je l'avais fait s'il est proche des autres. Ça faisait vraiment jeu de piste. Les beaux poissons. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un drôle amas de pierre. Quoi? Déconne pas, c'est une grotte? Non, c'est une blague. C'est pas possible, ne dis pas qu'il faut plonger pour trouver un truc. Et ça, ça fait partie de l'île ou pas? Parce que c'est des îlots que je ne connais pas. C'est juste trop bizarre. Eh ben, je vais te découvrir ton découverte dans cet épisode. Attends, ah non, ça fait pas partie de l'île. C'est un îlot à part. Sérieux? Non, on pourrait même y faire une base tellement que c'est grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du délire. C'est du délire. Bon, le problème c'est importer les rondins, ça va être dur, mais... sinon ça ferait une base isolée, un truc de fou. Trop bizarre. Moi, je pense pas qu'il y a un truc là-bas. Ok. Là aussi, à mon humble avis, il y a quelques mecs. Parce que je suis par... On aurait pu avoir le doute quand même. Hein.
ouais, non, mais ça, c'est le désir. Le désir. Le délire absolu. Allez, j'ai le temps rapidement de faire une inspection. C'est juste trop bizarre, quoi. Faut que je mette ma combinaison de plongée. Mais d'accord, je la porte, là. Ouais, équipée. Bon, bah, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Incroyable, mais vrai. Laisse tomber là, faut que je change les piles. Là. Le machin est complètement. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette grotte? Mais comment il a fait pour foutre le dessin là-haut, lui? Ah merde, attends, il y avait un truc. Con, j'avais pas vu. Ah oui, d'accord. C'est quoi? Ah, c'est une page de manuel de survie comme moi j'avais. Enfin, comme moi j'ai d'ailleurs. Ok. Mon dieu, où est-ce que je m'aventure une fois de plus? Oula, ça va peut-être m'aider de mettre une... Ouais, c'est bien, ouais, je l'ai bien placé. Il y a plein de dessins. Ok. D'accord. Deux carreaux d'arbalète. Mais c'est complètement délirant. D'accord. C'est des pages bonus pour mon manuel ou... Carreau d'arbalète. Tu vas pas me dire que j'ai un schéma pour construire une arbalète, si? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je nage en plein délire. Ah ouais, plus. Un deltaplane? Non. J'ai trouvé la page 2 et la page 3 sur 4. Je peux faire un deltaplane? Ok. Sympa les pages bonus. La tour. Alors là.
Qu'est-ce que c'est que ce délire? À mon avis, il doit y avoir une autre grotte immergée bonus quelque part. D'ailleurs, c'est con, mais je ferais bien de laisser une lumière au beau milieu de la. Mais non, mais non, mais non! Oh, ville abrutie! C'est. Voilà, une lampe crâne qu'il me faut. Voilà. Attends, vas-y voir que je coupe ma lampe. Pour le briquet. Ah ouais, ça fait stylé comme ambiance. Ouah, trop fort. Est-ce que j'ai 14... Est-ce que j'ai 14 bâtons? Ah, j'en ai 11, dommage. J'aurais pas fait la lampe, j'aurais eu le nombre suffisant. Non, je suis pas assoiffé. Eh ben, dis donc. Sacrée découverte. Un delta plane. Putain, mais ça va être trop fort. Partie de la montagne. Ça va être trop bien. Bon, mais d'accord, je suis équipé du bordel. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, c'est la lune. Ah, mon embarcation qui est ici. Attends, merde, je suis pas du bon côté. Voilà, merci. Allez hop, je me déséquipe. Merci. Eh ben dis donc, quelle aventure. Et là, du coup, le dessin de Timmy, je le mets où? Je peux l'appliquer quelque part ou pas? Ouais, je peux le mettre là. C'est rigolo. J'ai la fusion de deux dessins. On dirait que le mec... le mec est en train de foutre un crucifix. Il prend des crucifix sous un arbre. Ça fait trop bizarre. La fusion des deux dessins, c'est trop drôle. Putain, j'en reviens pas. Excellent, le coup des pages bonus. Un delta plane. Waouh. Toi, pour le faire, vas-y, toi. Attends, si j'arrive à lire. Alors, 32 bâtons, ciseaux, deux je sais pas quoi. Est-ce que c'est deux lampes torches? Je sais pas. 8 cordes. 8 pots de serre apparemment. Et 5... Non, pas 5 pierres. Tu vas pas alourdir ton deltaplane avec des pierres, c'est pas logique. Non, c'est trop bizarre.
Et la tour, 32 bâtons et 30 rondins. La tour, je vais bien essayer de la faire. Ah, du coup. Ouais, c'est beau, c'est la pleine lune. Ah ouh. Ouais. Je pense que je peux tenter de faire un retour. Eh ben, au moins je progresse, même de nuit. Oh, c'est beau. Ah, il y a un balboule avec la lampe qui est sur la plage. De voir les neiges, toute la neige. Avec la pleine lune, c'est magnifique. Mais je sais pas, il est passé où l'autre guignol? Oh, il a disparu, on s'en fout. Alors. Hop là, bon je pense que je peux débarquer. Ah oui, j'avais quasiment pied. Le voile se fait discrète ma péniche. Non là oui, va falloir que je mange un morceau. Bon, moi j'ai envie de dire que c'est plein d'espoir. Je finis par me demander si un jour je vais pas trouver des lunettes de vision nocturne. Déjà que j'ai un pot de maître, franchement. Attends, faut que je fasse gaffe parce qu'avec tous les pièges que j'ai installés, je pourrais m'en prendre dans la gueule. Je crois que j'avais fermé la porte, non? Putain, mais mon entrée, elle déchire. De nuit, elle est terrible. Oui, j'avais fermé. Bon, tant pis. Je vais passer par l'eau, mais... Attends, faut pas que je me loupe. Bah ça va, ma vase a pas été dérangée.
Merde, je suis à côté de la base. Oh le con. Oh génial, un orage. J'ai signe de mauvais présage. A dit une vieille sorcière. Quelle aventure de fou. Ah ouais, non mais là j'arrête, là c'est... Inouï ce que j'ai vécu. Inouï.